à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça sera pour un haul Kiabi. Voilà, c'est pas bon de travailler chez Kiabi, moi je vous le dis. J'ai fait mes achats, comme j'ai eu mon salaire, j'ai fait mes achats en début de mois parce que j'avais mis des choses de côté. Et également pour Pâques, donc là quand je vous filme, on est le dimanche 31 mars, donc voilà le jour de Pâques. Donc d'ailleurs, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. J'espère que vous avez bien profité avec vos proches. Je reçois du coup ce soir mes amis pour l'anniversaire de ma fille et également pour fêter Pâques. Donc du coup, j'ai pris des choses pour la fille de ma copine qui a 5 mois. J'ai pas pris de chocolat, j'ai pris des vêtements. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait mes achats. En même temps, j'ai pris tout ce qu'il fallait. On a aussi jeudi prochain la visite du patron et de la directrice régionale. Donc du coup, voilà, il fallait faire les achats avant qu'elle arrive. Donc voilà, donc j'ai tout pris. Donc j'en ai eu pour 118 euros. Ça monte quand même assez vite. Hein. Même si, comme je vous dis, j'ai ma remise perso. Ça monte quand même assez vite. Je sais s'il est là mon ticket. Donc j'en ai eu pour 118,12 euros au lieu de 186 euros. Hein. Donc quand même la remise est intéressante. En plus, sachant qu'en ce moment, Kiabi a fait une opération déstockage. Donc on a commencé depuis le 20 mars. Ouais, je crois que c'est depuis le 20 mars qu'on est en opération déstockage. Donc en fait, c'est toutes les anciennes collections qui sont mises en vente. Et ça fonctionne avec les étiquettes rouges. Donc si vous prenez deux étiquettes rouges, vous avez moins 20% par article. Si vous prenez trois, c'est moins 30. 4 moins 40, 5 et plus, moins 50%, ça fonctionne que sur les étiquettes rouges, donc du coup moi j'en ai pris quelques-unes. Vous allez voir, c'est principalement pour ma fille, j'ai très peu de choses pour moi et pour la petite de ma copine, donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer pour la petite de ma copine, donc du coup j'ai pris un petit sac cadeau pour mettre les vêtements dans un sac, donc j'ai pris celui-là, You Make Me So Happy, voilà le petit chat, le petit arc-en-ciel. À 2,50 €. Et du coup, au niveau des vêtements, donc j'ai trouvé, donc là dans la partie déstockage, donc j'ai pris un premier petit pull comme ça. Donc j'ai pris du 9 mois, parce qu'elle m'a dit elle met du 9 mois, donc en plus ça sera la période elle pourra lui mettre. Donc j'ai trouvé un petit pull comme ça avec noté bonjour jolie fleur. Voilà, petit pull manche longue, et en fait à l'arrière, voilà, vous avez hop les petits boutons, donc en 9 mois, et à la base il est à 5 euros, mais du coup j'ai eu les remises avec les étiquettes rouges. Donc je vais tout de suite, tant que je suis là, hop, mettre la poubelle ici, comme ça je vais enlever tout de suite les prix et les étiquettes rouges, et hop, comme ça s'il y a un souci je pourrais faire l'échange. J'ai également trouvé celui-là, couleur comme ça, jaune moutarde, très très joli. Voilà, là c'est juste un petit cœur en effet paillette, hein, tout simplement glitter, pareil 2,50 € celui-là. Donc ça c'est vraiment les petits pulls basiques, vous en avez plein à 2,50 €, pareil 9 mois, hop. Et celui-là, non, celui-là il n'y a pas de, celui-là ça s'enfile normalement, donc hop, je vais enlever le prix, la petite étiquette, voilà. Je lui ai pris du coup un petit gilet comme ça, blanc, je me suis dit pour mettre avec les pulls, ça sera très bien. Et j'ai trouvé aussi une petite robe que je vais vous montrer juste après, donc ça je l'ai pris plein tarif, hein, il n'était pas en zone déstockage. Et celui-là, il est à 7 euros, voilà, c'est du 9 mois. Hop. Voilà, donc vraiment tout mignon, le petit gilet. Et pour finir, j'ai trouvé une petite robe comme ça, trop trop mignon. C'est pour ça que je me suis dit, en plus, elle pourra même lui mettre maintenant avec des collants, le petit gilet blanc, vraiment très très bien. Donc ça fait petite robe comme ça, un peu en jean brodé. Donc pareil, 9 mois, donc ça à la base, ça coûte 20 euros. Hop, j'enlève. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est sous format body. Voilà, donc ça fait petite robe, mais sous format body. Donc ça, ça sera parfait pour que ma copine la change. Donc en plus, on a les petites chaussettes qui vont avec la robe et le petit bandeau.
Voilà, comme ça, ma petite chérie, elle sera vraiment toute jolie. J'ai trop hâte de la voir ce soir en plus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Donc voilà ce que j'ai pris pour ces packs. Voilà, donc après, régulièrement, je lui achète des vêtements ou alors je donne des sous pour que ma copine, elle lui achète des trucs. Donc voilà, moi, à chaque fois, dès que je la vois, je suis gaga d'elle. Donc voilà ce que j'ai pris pour ma petite poupette. Ensuite, pour ma fille, donc, je vais vous montrer parce que j'ai pris pas mal pour elle. Donc en plus, il va falloir qu'elle essaye. Donc pour commencer, j'ai pris, parce qu'au niveau des pantalons, ça commence à devenir compliqué. Je fais que ça de façon de vider son armoire parce que ça devient compliqué. Donc j'ai retrouvé un pantalon, donc il va falloir qu'elle l'essaye après. Donc c'est un pantalon comme ça, c'est un jean régular, donc qui est élastiqué au niveau de la taille parce que c'est ce qui lui va le mieux. Avec la petite ceinture en jean, les petites poches sur le côté. Donc du coup c'est un régular, donc c'est une coupe assez large. Donc comme ça elle va le tester. Donc je lui ai pris en 10 ans et il était à 12 euros. Donc voilà, comme ça elle va l'essayer. On verra bien, comme ça si ça va pas je vais tout de suite aller le ramener. Tiens, essaye le Luna. Comme ça elle va l'essayer et on verra tout de suite si ça va ou pas. Tiens. Pareil, je lui ai pris un deuxième pantalon. Donc celui-là, il n'était pas en déstockage. Et celui-là, je vais vous montrer non plus. Alors celui-là, ça fait un moment que je ziote dessus. C'est un petit pantalon comme ça pour cet été. Donc il est en fait élastiqué au niveau de la taille. Ça fait un peu un pantalon jogging quoi. Donc élastiqué, on a les petites cordelettes, les petites poches. La couleur, je la trouve magnifique. Comme ça, vraiment la couleur est magnifique, ça fait vraiment un beau rouge et ça fait un pantalon classique quoi, tout simplement. Donc vraiment très très bien, voilà, vraiment très très bien. Donc je me suis dit ça, elle va être à l'aise cet été avec des claquettes, le pantalon, t-shirt blanc, ça sera très bien cet été parce qu'en plus je l'ai avec moi au mois de juillet 3 semaines pendant mes congés. Donc je l'ai la première semaine de juillet comme d'habitude. Et je l'ai 2 semaines avec moi pendant mes congés. Donc il y aura juste ma dernière semaine de congé où je ne l'aurai pas. Mais sinon voilà, je l'ai avec moi pendant mes congés. Donc hop, comme ça je vais petit à petit faire la garde-robe d'été. Donc du coup j'ai trouvé ce petit pantalon là. Et oui, je vous ai montré le prix, je crois 10 euros. Voilà, donc 10 euros je trouve que ça vaut vraiment. Bon bah elle vient d'essayer le pantalon, ça va, il lui va. Par contre la ceinture en jean, la ceinture ça va pas, donc elle l'enlèvera. Mais au moins le pantalon lui va, donc pour finir l'année ça ira. Donc on va continuer. Donc je lui ai pris une tenue donc d'été parce que c'est la du dessin animé Gabicha. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est la folie en ce moment. Donc je lui ai trouvé du coup un t-shirt comme ça. Voilà, un t-shirt basique Gabicha. Donc il est un peu court devant et plus long derrière. Donc c'est noté Magic Friends. Voilà, donc j'ai pris en 10 ans et il est à 8 euros. Donc ça, c'est pas du déstockage non plus, c'est en vente actuellement. Voilà, donc c'est ce dessin animé-là. Donc en 10 ans, on lui a trouvé, je lui ai trouvé ce petit t-shirt. Attends, n'enlève pas ton pantalon. Tiens, essaye celui-là aussi. Du coup, elle fait les essayages en même temps. Et je lui ai trouvé aussi la petite jupe short Gabicha, comme ça. Voilà, donc il est à 14 euros. Pareil, j'ai pris en 10 ans. 14 euros, 10 ans. Hop, élastiqué. Donc je pense que ça devrait aller brodé et tout. Vraiment très très joli. Et l'arrière, il est comme ça. Donc comme vous voyez, ça fait short à l'arrière. Et devant, du coup, hop. Voilà, donc si je vous montre bien, voilà. Donc, ça fait le short et après, hop, la petite jupe. Donc c'est pareil, elle va l'essayer. Maman. Oh bah, le pantalon, nickel. Je l'ai pas mis à l'envers. Si tu l'as mis à l'envers, mais c'est bon, il va. Ouais. Tiens, voilà, comme ça, hop, tu peux essayer ton short aussi. Le t-shirt, c'est bon. Pareil, je lui ai pris un petit t-shirt basique comme ça, 10 ans, tout blanc, basique, que j'ai payé 5 euros. Ça, c'est pour mettre avec le pantalon rouge que je viens de vous montrer. Tiens, montre-moi le pantalon. C'est pour mettre avec le pantalon rouge que je viens de vous montrer. Voilà, donc comme ça, voilà, ça ira parfaitement, comme je vous dis, le t-shirt blanc, le petit pantalon rouge, ces petites claquettes, ça sera parfait. C'est aussi avec les claquettes.
Voilà, donc vraiment, ça fera voilà, une jolie petite tenue. Donc après, c'est pareil, les t-shirts blancs basiques comme ça, vous en avez de toutes les couleurs. Et puis, c'est des petits basiques, quoi, à 5 euros. Donc voilà, vraiment. Bon, bah la jupe short, trop juste. Je le vois, c'est même pas la peine. Elle va savoir le mettre 2-3 fois. Et après, il n'ira plus. Donc, je vais le ramener. Et en plus, c'est dommage, je peux pas prendre de 12 ans. Ça s'arrête aux 10 ans. Donc, bah tant pis, c'est tout. Mais non, je viens de lui dire, je vais pas... Je vais pas le garder, c'est pas la peine, elle va quasiment pas le mettre. Donc c'est tout, je vais le ramener. Et du coup, pour finir, au niveau vêtements pour ma fille, alors j'ai trouvé cette veste-là, magnifique. Je lui ai pris en 12 ans, là par contre j'ai pris en 12 ans. Magnifique, on vient de la recevoir. Elle est trop belle, donc c'est une, voilà, une petite veste comme ça, les petites poches, les boutons. Donc c'est du clair, mais franchement, elle est magnifique. Donc voilà, elle est comme ça au niveau de la matière. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi la matière, mais vraiment, elle est magnifique. Honnêtement, il l'aurait fait en adulte. Je l'aurais prise aussi pour moi. Trop belle. Donc j'ai pris 12 ans. Ça sera un peu grand, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une veste. Donc elle était à 20 euros. Bah, elle est à 20 euros. Voilà, ça pareil, ça en vente actuellement. Donc vraiment magnifique. Donc je l'ai prise. C'est pareil pour cet été. Vraiment, ça sera trop bien. Et pour finir, au niveau du déstockage, j'ai juste trouvé pour elle, hop, un petit gilet comme ça, blanc classique, très bien. Voilà, au moins là, quand c'est pareil, quand les températures seront meilleures, qu'on mettra plus de manteau, comme ça, elle pourra mettre un gilet avec un t-shirt ou un pull fin pour aller à l'école, ça sera très bien. En plus, il tient quand même assez chaud. Voilà, resserré au niveau des manches et tout, mais vraiment très joli, blanc comme ça, avec des petits liserés dorés. Vraiment trop beau. Et celui-là, 14 euros. Et du coup, je l'ai eu en déstockage. Mais vraiment, il est trop beau. Hop. Pour finir, pour moi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi, mais rien de fou. Et j'ai pris des sous-vêtements. Donc, pour moi, au niveau déstockage, j'ai pris, ça fait un moment que je le voulais, un pantalon, c'est Bérénice qui l'a présenté et je l'ai trouvé magnifique quand on l'a reçu, j'ai dit je le prends. Et en plus il passe en déstockage, donc parfait. Donc j'ai pris une taille L parce qu'il n'y avait plus XL, donc L ça sera très bien. À la base 12 euros mais du coup en déstockage, donc ce qui fait que là j'avais 5 étiquettes rouges, donc j'ai eu moins 50% par article avec étiquette rouge, donc il est trop beau. C'est un petit pantalon pyjama classique. Hein. Hop, élastiqué, très bien, avec plein de fleurs. Orangé, rose, violet, il est mais magnifique. Ça pour les beaux jours, ça sera parfait. T-shirt, pantalon, très bien. Donc vraiment très bien. Voilà, bon, du coup moi j'ai juste pris ça au niveau hop, des stockages. Franchement, il n'y avait rien qui m'intéressait. Puis bon, vu les achats que j'ai fait le mois dernier. Et j'ai pris ensuite des sous-vêtements. Donc pour moi, je me suis repris un ensemble de lingerie. Moi et la lingerie, il va falloir que j'arrête. Donc je vais vous montrer en vitesse. J'ai trouvé un petit... donc c'est des nouveaux qu'on vient de recevoir. Hop, un petit soutien-gorge comme ça qui fait un peu effet bustier en dentelle avec voilà, de la dentelle blanche et bleue. Et vous avez les petites fleurs bleues au milieu. Donc voilà, vraiment très sympa, vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc, j'ai pris celui-là qui est à 12 euros. Voilà. J'ai pris du coup avec... Hop, j'ai pris du coup bah, la culotte, hein, évidemment. Hop, en XL. Je crois que c'est 6 euros les... Ouais, c'est ça, 6 euros. Et j'ai pris aussi le tanga. Hop, pour aller avec. Parce que moi, un soutien-gorge, je le mets pendant 2 jours. Donc comme ça, au moins, j'ai les culottes qui vont avec. Donc hop, le tanga. Et c'est pareil, je crois que c'est 6 euros. Et voilà. Après, j'ai pris aussi pour moi, j'ai refait mon plein de chaussettes. Parce que je suis à court de chaussettes. Donc comme ça, dès que j'ai mon dressing et tout, j'aurai des... Parce que là, du coup, c'est pareil. Actuellement, j'ai pas encore mon dressing et tout. Donc tous mes vêtements sont encore en carton. C'est encore un peu le bordel et tout. Donc, et là, au niveau de mes sous-vêtements, tout est dans un sac. Donc c'est vrai que c'est le bordel. Donc quand j'aurai mon dressing, que j'aurai mon meuble avec mes sous-vêtements et tout... Comme ça, je pourrais trier mes chaussettes et remettre des neufs. Donc du coup, j'ai repris 2 paquets. J'ai pris un paquet de 39-41. Voilà, j'ai repris des noirs basiques. Et j'ai pris celle-là colorée. Voilà.
Hop, j'ai pris ça. Donc ça, c'est 4,50 € l'unité. Et vous avez 7 paires. Donc voilà, je trouve que ça vaut le coup. Comme ça, j'ai refait mon plein de chaussettes. J'ai pris aussi pour ma fille, pareil, des sous-vêtements. Donc je lui ai repris des chaussettes parce qu'à chaque fois, elle me dit qu'elle manque de chaussettes. Donc du coup, j'ai repris un lot pour elle aussi de Socket 35-38. J'ai pris 7 paires. Pareil, hein, les enfants, c'est le même prix, 4,50 €. Et je lui ai pris des collants parce qu'elle n'en a plus. Donc j'ai pris des petits collants comme ça, classiques, 36-38. Voilà, il y a 2 paires à 5 €. Comme ça, ce soir, si elle veut mettre une robe, comme ça, elle a des collants. Et pour finir, j'ai repris parce que, oui, alors il me manquait au début, il y avait un article en étiquette rouge qui passait pas. Donc du coup, pour que je puisse avoir les moins 50% par article, j'ai pris ça pour ma fille. Voilà, un petit bracelet comme ça, Halloween Mickey, voilà, j'ai pris ça pour elle. Donc c'est les petits, hop, c'est les petits bracelets qui se mettent au poignet, hop, et qui se resserrent. Donc voilà, comme ça pour Halloween, elle aura un petit bracelet Mickey. Donc ça, c'est à la base 3,50 €. Voilà, 3,50 €. Mais là, du coup, je l'ai eu à moins 50%. Donc il m'a coûté que... Et j'ai pris, pour finir, des bijoux. Voilà, il y avait des paires qui étaient en promo. Donc c'est vrai que les bijoux, maintenant, c'est devenu quand même... Tiens, c'est vrai que les... Non, non, mon téléphone, tu le descends. C'est vrai que maintenant, les bijoux, c'est quand même devenu extrêmement... Non, non. Les bijoux, c'est quand même devenu extrêmement cher. Donc c'est vrai que maintenant quand ils sont en promo, bah je les prends parce que voilà quoi. C'est maintenant les paires de boucles d'oreilles ne sont pas données. Voilà. Limite j'ai les mêmes sur Shein, sur AliExpress. Donc je les prends vraiment quand elles sont en solde. Et du coup j'ai trouvé 2 paires en solde. Donc j'ai trouvé. Hop, donc là c'était vraiment les dernières. J'avais pas vu que la dame qui vient mettre les bijoux, j'avais pas vu qu'elle avait mis des trucs en promo. Donc du coup, j'ai pris à 5 € au lieu de 9,99 €. Hein. Celle-là, franchement, je les trouve magnifiques. En plus, j'ai mon ensemble bleu marine. Vraiment, ça irait parfaitement bien. Donc, vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Et j'ai trouvé celle-ci. Voilà, donc là, je crois que c'est du bleu marine ou du noir. Je sais pas. À 3 € au lieu de 7,99 €, j'ai trouvé celle-là aussi. Donc voilà pour mes petites paires de boucles d'oreilles. Et voilà pour tout ce que j'ai pris pour un total à la base de 186 €. Voilà. Donc il y a juste, comme je vous dis, le short que je vais ramener bah, du coup mardi. Comme ça, je demanderai, bah, je ferai un remboursement. Et voilà, ça ne sert à rien que je le garde. Il est trop juste. Donc c'est pas la peine. Donc là, à la base. Donc le short, il a combien ? Ouais, donc ça fait 10,50 €. Donc du coup je demanderai voilà, un remboursement de 10,50 € pour le short. Donc voilà pour tous mes achats. Là maintenant ça va être la mission enlever toutes les étiquettes et tout et mettre ça au sale. Et voilà, donc là ce sera tout pour ce mois-ci, hein. Là qui habille c'est tout. De toute façon il va falloir que je me restreins à un seul passage par mois et vraiment mettre de côté les pièces qui m'intéressent, parce que encore une fois, de toute façon quand je vais avoir mon dressing, je vais refaire un tri, parce que je me rends compte que j'avais acheté il n'y a pas longtemps des pantalons un peu cargo avec des poches sur les côtés et tout, et au final je les mets plus. Voilà, finalement j'achète des moments des trucs sur le... j'ai le coup de cœur. Et en fait, dans la... je les achète et je me rends compte que je les porte qu'une ou deux fois. Donc, de toute façon, je vais refaire un tri. Mais il va falloir maintenant que je me... Voilà. Là, j'ai remis de côté 2 ensembles terracotta qu'on a reçus, qui sont mais magnifiques. J'ai vu une de mes collègues qui l'a essayé. Donc, j'ai mis de côté. Il faut que j'essaye. Je le prendrai. Mais pas tout de suite. Voilà, je ne prendrai pas tout de suite. Mais il faut vraiment que je me... Voilà, tout le mois, je mette de côté ce que je suis sûre de prendre. Et chaque début de mois, dès que j'ai mon salaire, je prends et terminé. On n'en parle plus. Pour éviter de faire 50 paniers, parce que bah, le mois dernier c'est pareil, hein. Je crois que j'en ai eu quand même pour pas mal de... Si j'en ai eu quand même pour pas mal, parce que je crois que j'ai fait mon plein là, le dernier haul que vous avez eu, j'en ai eu pour 104 €, et je crois que j'avais refait un plein juste avant, ouais, donc je crois que le mois dernier j'ai quand même pas mal claqué, donc voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça maintenant aussi, je vais me... Voilà, je vais me mettre... voilà, je vais me...
me restreindre ou vraiment je prends début de mois ce que je suis sûre de prendre et c'est tout. Et je mets de côté petit à petit, je fais le tri au fur et à mesure et je prends vraiment dès que j'ai le coup de cœur. Mais bon, de toute façon, c'est ça le problème de travailler dans les vêtements, c'est qu'on est très vite, voilà, on est très vite attiré. Donc on fait des achats impulsifs. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais du coup couper les étiquettes, mettre tout ça au sale. J'espère en tout cas que ce haul Kiabi vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à aller dans vos Kiabi, voir le déstockage. Et comme je vous dis, tout ce que je vous ai présenté hors étiquette rouge, c'est des choses qui sont en vente actuellement chez Kiabi, qui viennent d'arriver. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre les pouces bleus et à activer la petite cloche. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut !